besoin de s'inquiéter pour moi. À mon âge. Bon, oui. Ou t'es encore un peu fatiguée? Ah oui. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc pour vous, ce sera déjà samedi. Donc Eden retourne aujourd'hui chez Nounou. Il n'est pas allé hier parce que je lui ai laissé le temps de se remettre un petit peu de son hospitalisation parce qu'il avait peu dormi les 2 nuits d'avant. Donc puis même la nuit d'hospitalisation, on est rentré elle, dans l'hôpital. Enfin, on a eu une chambre dans la service pédiatrie. C'était un peu plus de 23 h. Donc voilà, on a peu dormi parce que c'est bien 7 h derrière. Et puis toutes les 2 heures, les infirmières venaient voir comment allait Eden, etc. Donc on peut pas bien dire qu'on passe une super nuit à l'hôpital, mais bon, le but c'est pas de passer une bonne nuit, c'est d'être soigné. Donc Eden va beaucoup mieux. C'était voilà une grosse crise de gastro où il avait perdu du poids, donc ça y est, c'est passé. C'est passé. Oui. Donc aujourd'hui journée très chargée. Il faut que j'aille chercher mes courses. Je les ai commandées au drive parce que sinon j'avais pas avoir le temps de passer 1 heure ce matin aux courses. Oui, mais maman, elle parle. Ah bon. Et la deuxième chose ce matin qu'on va faire avant d'aller récupérer Den chez nous, c'est que je dois passer à la gare parce que je dois me renseigner pour... Dis, oh! Et maman, elle peut s'exprimer ou pas? Le programme. Ce matin, donc, je pose Eden. Ensuite, on va récupérer les courses au drive. Il faut que je passe à la gare parce que pour aller à mon boulot, c'est plus simple, enfin surtout moins cher d'y aller en train parce que ma ville est la ville dans laquelle je travaille. La gare est à côté de chez moi et la gare est à côté de mon boulot. Donc c'est beaucoup moins casse-pied. Donc il va falloir que j'aille me renseigner sur le coût pour être sûre. Mais ça paraît tellement logique que ce soit moins cher. Puis comme j'ai moins de 25 ans, j'ai des tarifs réduits. Enfin, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas. Et comme j'attaque demain, il faut vraiment que j'aille faire ça aujourd'hui parce que hier j'étais encore. Parce que moi aussi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'avais dit sur Instagram, mais que j'avais chopé la gastro de mon fils. Donc voilà, ça a été assez expéditif. Par contre, mon homme l'a chopé, mais lui, il a eu que quelques heures. Il a de la chance, il a une immunité super résistante. Alors que moi, j'étais malade jusqu'à hier, j'avais encore mal à l'estomac. Donc pendant 3 jours depuis samedi, j'ai fait que vomir aussi. Donc c'était à total. Donc imaginez quand on est vraiment malade, s'occuper de son petit bout, c'est hyper difficile d'être limite. Je te tiens dans les bras, mais je vomis à moitié dans la bassine d'à côté. Enfin, c'était pas très glorieux, mais bon. Il faut, de toute façon, on n'a pas le choix, même malade, pour s'occuper de son petit bout. Idéalement, quand on est malade, moi je laissais mon homme s'en occuper parce qu'il était beaucoup, beaucoup moins malade que moi. Il avait juste vomi une fois sur tout le week-end, alors que moi non. Enfin voilà, et cette fin matinée, parce que ça va pas me prendre 2 heures d'aller à la gare, enfin, j'espère, il faut que je vous tourne la vidéo de jeudi et de lundi prochain parce que là je bosse de demain jusqu'à samedi 19 h. Donc autant vous dire que je ne pense clairement pas dimanche avec toute cette semaine dans les pattes. Arriver à me sentir en état de vous filmer une vidéo et surtout c'est d'avoir une tête correcte, donc je vais essayer de filmer les deux vidéos aujourd'hui. C'est pas gagné, mais bon, j'avais déjà des demi-vidéos tournées, donc il faut que je les termine. Je pense que ça me sera plus simple. Et aussi, la chose que je voulais vous faire remarquer, en fait, ça fait quelques vidéos que je vous monte et je vous tourne et qui sont en retard. Je vous explique pourquoi. Pas qu'au niveau du jour à cause de la maladie d'Hélène, mais en retard sur l'heure. En fait, je ne monte plus avec mon logiciel habituel parce que l'ordi sur lequel je montais était un PC classique. Et maintenant, je monte avec Mac. Et en fait, le problème, c'est que Mac, je galère un peu. C'est nouveau pour moi au niveau du logiciel, etc. J'apprends à utiliser Mac. Et en fait, quand ma vidéo charge depuis le logiciel, elle met juste 2 ans à charger pour pouvoir se publier sur YouTube. C'est-à-dire que des fois, elle m'affiche 9 h de chargement et il est 7 h du matin et la vidéo va être en ligne à midi. Donc autant dire que c'est techniquement impossible. Et là, je ne peux strictement rien faire parce que des fois, elle finit de charger plus vite. Sauf qu'elle me dit, ça a mal chargé, ça a bugué, faut recommencer. Alors là, tu te retapes 6 heures de chargement. Donc malheureusement, je peux pas faire plus vite que ça. Et en fait, le problème, c'est que d'habitude, je préenregistre les liens pour vous cliquer, pour aller voir les trucs dont je vous cite. Sauf que Mac, ben, il ne les transfère pas, mes liens. C'est-à-dire qu'il les perd, il faut tout que je recommence. Donc des fois, quand vous me dites un commentaire, mais où le lien? Et en fait, je me rends compte que mon truc n'a pas du tout enregistré, donc je suis obligée de tous les refaire. Donc c'est un peu casse-pied, il va falloir que le temps que je maîtrise tout ça, mais laissez-moi un peu de temps, ça va aller mieux. Et puis voilà, on va passer une nouvelle journée ensemble. Un bébé. Ouais. Bonjour, ça. Bon, du coup, je me suis impactée dans mon écharpe et on prend en direction la gare. Je reviens des courses qui fait X, c'est que c'est déjà quasiment 10 h. Donc en gros, je vais être de retour chez moi, ça va être 11 h et ça m'embête. Je voulais être chez moi à 10 h 30 pour avoir le temps de tourner et faire du ménage.
Donc c'est vrai que d'être un peu short, donc va falloir que je speed, les amis. On se dépêche, hein. De la gare, je sais pas si vous voyez, mais je suis à la gare. Ah, je suis contente, l'abonnement ça me coûtait que 47 euros et quelques, donc on va dire 48 euros par mois pour le train, donc ça vaut largement le coup. J'ai genre, je peux prendre le train de façon illimitée d'argent. Je le prends 20 fois, je prends 20 fois, bon, je sais pas ce que je vais me faire faire. Et en plus, apparemment, quand on prend un abonnement mensuel, notre employeur prend logiquement 50% de charge, donc du coup, ça va me ramener à 20 euros par mois, enfin 25 euros par mois, mon coût de trajet, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va se rentrer tranquillement maintenant pour pouvoir aller tourner la vidéo. Finalement, j'en ai pas eu pour longtemps, donc je suis contente. Allez, on rentre. Bon bah voilà, vidéo tournée. J'ai tourné l'intro d'une autre vidéo que j'avais déjà pré-tournée à l'avance. Du coup, je passe au montage, il est 11h. Donc je pense que je vais avoir le temps de monter une vidéo au moins. Parce qu'elle n'est pas trop normalement compliquée pour moi à monter. Et puis voilà, après j'ai recherché Dan et du coup je pense que je fais mon ménage en début d'après-midi. Donc oh, bah, on se retrouve tout à l'heure, je pense, une fois récupéré ta Dan. Qui est réveillé? Bébé! Et voilà, il a poussé sur le jouet. Boum! C'est lui qui a poussé le coffre. Papa est arrivé aussi, il était le matin aujourd'hui. Du coup je suis en plein ménage, dans les rangements dans la chambre, et j'ai un petit gnome qui à chaque fois vient à quatre pattes foutre le bordel là. Et d'ailleurs, ça se voit que je dois faire le ménage parce que regardez toutes les poussières qu'il m'a capturées sur son pantalon. Hein? Ouais. Non, il n'a pas encore goûté. Il va falloir qu'il goûte, lui. Bon, du coup, ce qui s'appelle se retrouver, comme était en train de dire Chouchou avant que je vlogue, bloqué sur le canapé parce que j'ai tout lavé le sol, et c'est encore l'avantage du pas, c'est que bébé, au moins, il peut jouer sans venir mettre ses petites traces de petits pas de partout sur le sol lavé de maman. Un crapouillou. Par contre, il y en a un autre qu'on peut pas empêcher de faire. Le chat. Hein, saloperie, tu me mets des traces de partout. Tu sens pas que c'est mouillé là sous tes pattes? Si? T'en fous? Ouais, t'en fous, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bah oui, je comprends bien que toi t'es jaloux, lui il se balade, mais lui malheureusement mon cœur on peut pas le gérer. Et tiens, plus. Non, je t'allais pas te mouiller. Elles sont humides ou pas? Non, casse-toi, suis-toi sur moi. Tu t'es fait arnaquer. Maman est en train d'imiter tout ce qu'on fait. Ouais, t'inquiète pas, tout va bien, je te remercie, Eden. Je marcherai pas sur mon pantalon comme ça. Tiens, va chercher la serpillière, vite maman, ce qu'elle faisait tout à l'heure. Bouf! Fermez le coffre. Ta mère, putain. Le vocabulaire, on se passera. Il n'y a rien de vulgaire dans ta mère. Hein. Oui, pas quand même. Ouf, tu nous as fait peur. Heureusement, papa t'a rattrapé. Hein. Bah, surtout la tête pour la table. Oui, mais il a voulu s'agripper à ta jambe et tu l'as enlevé à ce moment-là. Boum. Dis, oh, Eden, tu sais qu'il y a des bords sur les meubles. Hein. On a fait un petit cacou, il tape dans tout. Hein? T'as trouvé? En l'absence, ce que j'ai mis en dessous, c'est que les poules les prendre. Hop, hop, le petit tour d'inspection et on y va. Minou. Ouais, c'est ça. Minou. Il est doucement. Trop tard, il est parti. Quoi qu'il est pas encore complètement. Parti, parti. Et Dan, reviens par là, par contre. Normalement, on va pas te courir après. Il va faire toutes les portes là-bas, il n'y aura pas droit. Il revient ouais. Tout seul. Il accélère. Qu'est-ce qu'il fait? Tu cours après le chat? Allez. Maman ferme les chambres maintenant, parce qu'elle veut pas que tu ailles farfouiller Bella. D'ailleurs, on enferme le pauvre chat. Allez, retourne dans le salon maintenant. Viens. Viens mon cas. Allez maintenant. Viens par là. Ils sont là tes jouets, regarde. Maman, elle sort ta voiture, t'aimes bien. Chercher ta voiture, mon gars. Tadum, tadum, tadum. C'est un peu ça. Tadum, 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 tadum. Lentement, mais sûrement. Oui, ma voiture. C'est ta copine, hein. Eden adore ce qui roule.
Où tu vas? Et voilà, c'est son éclat. Il pousse la voiture et puis il va la chercher. Et ça l'amuse un bon moment. À mon âge, c'est rigolo la voiture. La tête de maman. Gna, 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 gna. Où tu vas? Où tu vas? Non, non, maman, ce ne sera pas son téléphone. Hop, enlève ta patte. Non, 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 je crois que tu vas m'arnaquer. Hein, Filou? Sur une petite démo, mais prends-le plutôt par tous les bras, tu arrives mieux. C'est rigolo, papa, il te fait courir vite, hein. Tic, 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 tic. Plutôt par tous les bras, tu lui feras moins mal. Ah bah oui, il est content, papa, il le fait courir. Pas trop pour les bras, par contre, c'est pas super bon, mon cœur. Oh, ça fatigue tout ça, hein. Oh. Papa, t'as laissé ta manette. Chouette. Oh, c'est pas drôle, papa, il a enlevé déjà sa manette. Oui, mon ange. Il n'est pas cool, papa. Il veut pas te la prêter, sa manette. C'est pas grave, moi, je vais faire le tour et je vais attraper ta manette, papa. Oui, ça a l'air d'être ça en plus. Position de défense. Comment papa protège sa manette? Bientôt il sera monté sur le canapé. Alors là, tu pourras plus rien dire. Quoi que j'en ai fait ça moi. Parce que pour le moment, je cache ça dans l'angle. Mais bientôt, ça va plus être possible. C'est 18h47, mon cœur. Ou j'ai d'attendre 20h pour mon père? Non, on a qu'à y aller. Ça y est, on passe à la soupe. Oui, mais non. Et je l'ai un peu trop fait chauffer. Tiens, on va essouffler. Mais il faut laisser le temps vraiment souffler. C'est soupe de carottes avec gris. Du coup, il m'a pas fini la soupe, mais j'en avais mis pas mal, donc à la rigueur, c'est pas trop grave. Et il est en train de boire son bibi, et après, au lit le bébé, au dodo, enfin changé bien sûr. Et voilà, c'est l'heure du dodo, alors papa prépare bébé. Et Dan, du coup, se mâchouille sa brosse à dents. C'est comme ça, mon œil. Non, mais il le faisait, hein, il y a deux secondes. Ouais, il arrive, je lui fais. Non, et après, j'ai dit, il le faisait lui. Oui, il se le faisait lui-même, mais je l'ai déjà montré plusieurs fois, donc il imite. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais que c'est interdit. Il n'a pas le droit d'aller dans la chambre d'Eden. Alors, dès qu'il se fait gronder, voilà, là, tu peux. Et t'attends devant la porte. Tu te laisses bien faire, toi. Hein? Tranquille, pépère. Ah. Cours, on t'appelle. Oui, il y a Becca qui est en train de m'appeler, donc je vais aller répondre. Est-ce que je dis cours vite? J'espère que je vais pas louper son appel. On va dire bonsoir à Becca, les amis. Hop. Et on dit. Hop. Allô? Ah, t'as pas mis la caméra? Non. Ah, mince, je voulais que tu dises bonjour au vlog. Bon, bah. Bonjour le vlog. Non, j'ai trop de saleté. Donc voilà, je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que cette nouvelle journée avec nous vous aura plu. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!